Les gens parlent souvent de gauche et de droite pour classifier les idéologies politiques, mais il n'y a aucun consensus pour les classifier. Certains mettent le fascisme à gauche, alors que d'autres le mettent à droite. L'anarchisme à gauche ou l'anarchisme à droite? Pourquoi une telle contradiction? En réalité, les idéologies politiques sont beaucoup trop complexes pour être classées entre gauche et droite. Mais les gens simples ont besoin d'explications simples. Pour commencer, d'où vient la notion de gauche et de droite? Bien, durant la Révolution française, les royalistes, partisans du roi, s'asseyaient à droite, alors que les républicains, partisans du libéralisme, nés durant les Lumières, s'asseyaient à gauche. Les royalistes étaient les conservateurs, favorables à l'ancien régime, alors que les républicains étaient des libéraux qui voulaient le détruire. Malgré les échecs de la Révolution française, la division entre les royalistes conservateurs et les républicains libéraux se prolongea durant tout le XIXe siècle, en Europe. Mais avec l'industrialisation et les conditions de vie difficiles qui en ont résulté, apparut une nouvelle faction politique, le mouvement socialiste. Les socialistes n'étaient pas considérés comme faisant partie de la gauche et de la droite. C'était une désignation réservée aux libéraux et aux royalistes. Les libéraux étaient pour les libertés individuelles et pour les libertés économiques. Les royalistes étaient pour les valeurs traditionnelles et en faveur du système économique corporatiste de l'ancien régime. Mais le corporatisme ne survit pas à l'industrialisation, et les conservateurs acceptèrent l'économie de marché et le capitalisme. De l'autre côté, les socialistes étaient opposés au capitalisme. Mais les penseurs socialistes étaient les enfants des Lumières et croyaient eux aussi au principe des libertés individuelles. Progressivement, le mouvement libéral se divisa et fusionna avec les socialistes et les royalistes pour former deux blocs contradictoires. Un pour le libre marché et contre les libertés individuelles, et l'autre pour les libertés individuelles mais contre le libre marché. Comment nommer ces deux blocs idéologiquement incohérents? Eh bien, il ne reste plus que gauche et droite. Historiquement, la division ne s'est pas faite de la même manière. En France, les libéraux ont progressivement absorbé les royalistes et colonisé les socialistes. En Grande-Bretagne, la survie de la monarchie a permis aux royalistes de subsister et d'absorber les libéraux, le reste migrant chez les travaillistes. Dans les autres pays européens, le schéma est plus ou moins le même suivant les évolutions politiques. Des partis sont apparus pour en remplacer d'autres, ou se sont transformés pour arriver à la même situation. Les États-Unis sont un cas particulier, car il n'y a jamais eu de faction monarchiste. Tous étaient libéraux, mais les évolutions de société ont fait que les démocrates étaient plus favorables aux libertés individuelles. De facto, les républicains se sont retrouvés à défendre les valeurs traditionnelles. Ceci explique pourquoi les Américains appellent « liberals » les libéraux sociaux, car dans leur histoire politique, seul cet élément du libéralisme a fait l'objet de divisions politiques durables. Mais revenons à l'Europe. Les socialistes radicaux n'étaient pas très contents de l'infusion libérale dans les mouvements socialistes, qu'ils appelaient « réformistes et collaborateurs du capital ». Par conséquent, ils se séparèrent pour fonder le mouvement communiste. Les communistes voulaient changer radicalement la société. Ceci nécessite la fin des libertés individuelles. C'est logique, car les libéraux eux-mêmes ont mis leurs valeurs de côté durant la révolution pour liquider l'aristocratie et l'ancien régime. Les anarchistes et les libertariens dans tout ça? Des libéraux radicaux, qui veulent une liberté absolue vis-à-vis de l'État et de la société. Mais les deux mouvements sont également influencés par les philosophies politiques d'autres factions. Le fascisme est apparu plus tard, dans le début du XXe siècle, au sein du courant socialiste. Mussolini lui-même était un ancien militant socialiste. Le fascisme est contre le libre marché, mais pas autant que les communistes, et contre les libertés individuelles, mais ce ne sont pas des conservateurs. L'idée centrale du fascisme est le nationalisme. D'où vient le nationalisme? Du libéralisme. Durant l'ancien régime, les individus prêtaient allégeance au roi, et ils étaient ses sujets. Avec une république, il n'y a pas de roi à qui prêter allégeance, ni de sujets, mais des citoyens qui font allégeance à l'État, qui représente l'identité collective, la nation. Dans un régime fasciste, les libertés individuelles et économiques doivent être sacrifiées pour le plus grand bien de la nation. Toutes les idéologies politiques d'aujourd'hui sont influencées par le libéralisme, et malgré les tentatives de créer un nouvel ordre politique, le système libéral de gauche et de droite reste non seulement dominant, mais l'idéologie libérale devient de plus en plus prépondérante au sein de ces factions, éliminant les vieilles influences socialistes et conservatrices. La soi-disant gauche a progressivement abandonné toute critique du capitalisme. Durant ces 20 dernières années, en Europe, la gauche et la droite ont toutes deux privatisé une partie considérable des services publics. D'un autre côté, les valeurs traditionnelles ne sont qu'une relique de façade. La soi-disant droite est seulement au service de l'agenda mondialiste des multinationales. Elle est verte dans tout ça? Eh bien, l'écologie est une toute nouvelle idéologie, qui est apparue sous diverses formes dans les anciennes pensées politiques. À l'heure actuelle, l'écologie n'est pas une idéologie cohérente à elle seule. Elle la deviendra peut-être, ce qui reste à voir. Quoi qu'il en soit, peut-on vraiment classer les idéologies sur un axe gauche-droite? Avec quels critères? L'économie? C'est un aspect important pour les communistes et les libéraux. Mais pour les autres, ce n'est pas vraiment le cas. Les socialistes veulent une économie au service des gens, les fascistes une économie au service de la nation, et les écologistes une économie qui respecte l'environnement. À quel point l'État contrôle l'économie est une question secondaire, du moment qu'elle sert leur but. La liberté? Non, seuls les anarchistes et les libertariens veulent réduire l'autorité de l'État. Tous les autres veulent que l'État promeuve et impose leurs valeurs. Que ce soit l'égalitarisme, les valeurs traditionnelles, la protection de l'environnement ou les privilèges des entreprises. L'idée même de faire un axe est biaisée, car basée sur le point de vue du libéralisme, la liberté économique et sociale sont typiquement des valeurs libérales.
Et le libéralisme a toujours de bon ton, de se mettre au centre, par rapport à tous ces mouvements, soi-disant extrémistes. Pourquoi ne pas faire un axe sur la protection de l'environnement, sur le nationalisme, sur la sécurité sociale? Un peu ridicule, n'est-ce pas? En conclusion, il ne peut pas y avoir d'axe gauche-droite, peu importe les valeurs choisies, car plusieurs idéologies peuvent se retrouver au même point pour des raisons complètement différentes. Je sais que certains ne seront pas d'accord, car questionner les convictions politiques, c'est comme questionner ses convictions religieuses. Mais j'espère que certains verront les choses différemment.